là. Oh. Oh, bah oui. Oh, c'est chaud. Ouais, Nino. Ouais, Hello. J'espère que vous allez bien. En ces temps de climat anxiogène, plus. Je vais vous montrer mes petits achats du jour. Je suis allée au champ. Bah, je vous montrerai. Je ferai une vidéo pour ça, même si c'est une petite vidéo, je ferai une petite vidéo. Et puis, voilà, j'ai ma petite compagnie, ma petite mini, c'est un petit coussin que j'avais acheté avant le confinement à Disney Store aux Champs-Élysées. Parce que j'étais un sirop de la rue, j'allais tout le temps dans les magasins. Alors, donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ceci dans mon petit bazar. J'ai payé ça 15,95 €. Voilà, alors c'est un chargeur. Il m'a dit que si ça marchait pas, que je le ramène, mais que lui, il n'y a pas de problème, c'est garanti 2 ans. C'est un chargeur plus plus. Voilà, parce que moi, j'ai ce souci-là. J'espère qu'il marche. J'espère qu'il va marcher. L'embout, il m'a dit que l'embout était bon. On va regarder, parce que là, j'ai un embout, c'est une catastrophe. Ouais, l'embout est bon. Voilà, j'ai plus 13% de batterie. Voilà. Celui-là, regardez comment il est cassé. Donc, il est temps que j'en achète un. Donc, j'en ai acheté un. 13 €, 15,95 €. Et vous avez le chargeur plus, 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 c'est-à-dire qui charge rapidement. Voilà, qui charge très, très rapidement. Mais moi, j'ai mon chargeur s'il faut. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, vaut mieux acheter l'ensemble qui va avec. Voilà. Donc, ceci, je l'ai payé 15,95 €. Je ne sais pas combien ça coûte à Action, mais j'ai plus envie d'aller à Action. J'ai acheté pour ma fille 2 petites souris, 1,90 €. Elle adore. Quand je vous dis qu'elle adore, elle adore ça. J'ai pris 2 gants. Alors, moi, j'aime bien ces gants-là. Ils sont en coton, franchement, 500 mg. Je les ai payés 1,90 € les deux. Franchement, ça fait 1 euro, quoi, même pas. 1 euro, 1 euro, même pas. Ça fait 84 centimes, regardez. Ou 99 centimes. 1,90, 90, ça fait 1,80. Ça fait 85 centimes. Regardez. Ouais, c'est ça, hein. 5 et 5, 10, 7 et 8. Oh, je sais plus. Non, ça fait pas 95 centimes. 8 et 8, 7, 17. Oh là là! Merde, 1,90 € ça fait 90 centimes le gant. Ça fait 92,50 € le gant. Voilà. 95, je sais plus. Avec tout ça, je sais plus compter. Ben bravo, c'est bon. 90 par 2, ça fait 1,80 €. D'accord. Et donc ça fait 95. 5 et 5, 10, 19. Oui, ça fait 1. Oh non, mais n'importe quoi. Mais c'est 95 centimes, quel coup. Oui, très bien organisé. Bravo. Eh oui. Ensuite, j'ai trouvé pour combien j'ai payé 7,90 € un gros coussin vert comme ça qui va exactement avec ce que j'ai acheté. Franchement, génial, génial, génial. 7,90 €. Faut savoir que c'est le prix que j'avais payé à les gros que j'avais payé. C'était ce que j'avais payé à Action. J'avais payé à 7,40 €, je crois que j'avais payé. J'en avais acheté 3, je les ai donnés à mon fils. Mais là, la matière, il est plus épais, quoi. Voilà, il est plus épais que ceux que j'avais achetés à Action. Je critique pas Action, hein. Et ça s'appelle douceur d'intérieur. Ils aiment bien prendre la marque douceur d'intérieur. Voilà. Et j'ai pas fini. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je vous montre. Ça, je l'ai acheté aussi chez eux. Je l'ai payé un combien? 1,50 € ou 1,70 €. Voilà. Voilà, peut-être ça coûte 75 centimes à Action, mais moi ça m'évite d'acheter plein de trucs à Action. Je vais vous montrer le petit meuble, attendez. D'ailleurs, il y a même le prix dessus, normalement c'est sur la boîte. Regardez, hop. Il n'est pas top. Alors vous pouvez le mettre dans un angle, même pas 20 euros quoi. Même pas 20 euros. Vous pouvez le mettre dans un angle et moi j'ai décidé de le mettre en dessous ma table. Voilà, mais j'avais vraiment besoin de ça parce que... J'ai une table, mais franchement, j'y vais jamais. Sur ma table, je vais peut-être la vendre d'ailleurs.
Et du coup, voilà. Je suis une des seules à qui il donne le truc monté. Voilà, regardez. Normalement, il fallait tout monter ça. Vous croyez que moi, j'aurais monté ce truc-là comme ça? Mais jamais de la vie. C'est des bouts de bois. Regardez tous les bouts de bois, tous les machins. Voilà. Et donc, il le monte. Et moi, il me fait pas payer. Et en plus, il me fait toujours un cadeau. Là, j'ai eu 4 euros de gratuit. Voilà. Et là, j'ai été à Auchan et j'ai eu 8 euros. J'ai un ticket de 8 euros gratuit pour les prochaines courses, pour 50 euros. Je trouve ça sympa. Donc, il faudra que je regarde la date. Elle m'a dit de surveiller la date, surtout. Tout le monde n'a pas ça, donc je me dis, c'est cool. Et en plus, ça me fait rire parce qu'elle m'a dit... Oh, elle m'a dit, j'espère que cette fois-ci, tout va aller. Et je dis, mais c'est pas de votre faute. Hein. Je dis, moi, je les collectionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je collectionne les trucs. Alors, du coup, il est haut. Alors, attendez, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Et du coup, je lui dis, bah oui, je collectionne les trucs. Elle dit, non, parce qu'à chaque fois que vous me passez à ma caisse, il y a plein de problèmes. Je dis, je sais. Soit c'est la caisse qui s'arrête, soit c'est parce qu'elle a, elle a un truc avec un prix, elle peut pas le trouver, soit il n'y a pas de code barre. Enfin bref, à chaque fois, il y a un problème, la pauvre. Donc là, je lui dis, non, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai compté mes courses comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, je fais 1 euro, 2 euros, 3, nanana. Et puis, j'arrive, je dis, non, c'est bon, j'ai même pas besoin de contrôler le ticket. Je suis d'accord avec vous. Et voilà, et là j'ai donné à ma petite puce Ivy. J'ai du sang avant. Hein. Ça pue. Alors quand ça pue, moi je lave. Voilà, mais elle adore, elle en a plein. Elle est comme ça, elle en a plein. Parce que. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ah ben, elle a entendu. Elle a entendu. Ouais, mais Ivy, elle pue. Ah non, mais... ah non, non, mais ça pue, il faut que je te les lave avant. Hein. Non, non, je vais les laver. Quoi vous dire, ben, qu'il fait très très chaud. C'est un truc de fou. On n'a plus l'habitude. Ce matin, je suis sortie. Alors, il faut savoir que je suis sortie juste pour aller faire un petit tour. À peine j'ai enlevé le masque, je me suis mis à tousser. Donc, j'ai remis le masque. Je me suis dit, c'est quoi le délire? Ça veut dire que c'est archi pollué, hein. Je voulais vous dire aussi en passant, de toute façon ça a été mis à la rentrée, faites très attention en septembre parce que si vous emmenez vos enfants en consultation parce qu'ils ont un grippe, un petit rhume, ils sont enrhumés, ils ont autre chose, je sais pas, une petite irritation, les enfants ils ont des fois mal au ventre, ils ont, eh bien, je sais pas à le dire, mais évitez. Parce qu'ils ont l'ordre de l'OMS, l'Organisation de la Santé, ils ont l'ordre, les médecins, ils ont l'ordre de faire consulter l'enfant et s'il a quoi que ce soit, de le faire transférer à l'hôpital parce que peut-être qu'il a le PIMS. Voilà ce qu'ils nous ont sorti, donc faites attention. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. Je suis toujours de la même façon une résistante, oui, et je le serai à vie. Voilà, parce que tant qu'on n'aura pas gain de cause, je serai résistante. N'oubliez pas les gestes barrières plus que jamais. Prenez ceci. Vacciné ou non vacciné, il faut faire attention. Prenez ceci et prenez le gel hydroalcoolique tout le temps avec vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Et on va finir par une petite danse.